Hello, hello, c'est Lingen. J'aimerais vous parler des coulisses du sommet virtuel Solopreneur. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant, du 21 au 26 janvier, 20 intervenants vont nous donner du contenu pour nous aider à développer et à lancer un business en ligne. Donc, le lien d'inscription en dessous. Vraiment, ne manquez pas cet événement. Ce sera, c'est une fois par an. Je compte la faire tous les ans. Donc, si vous la manquez, il faudra attendre janvier 2020 pour lancer et tenter votre rêve. Donc, inscrivez-vous. Ceci étant dit, j'aimerais vraiment prendre un peu le temps pour vous livrer un peu les coulisses de ce que je suis en train de faire. Parce que ça va vous aider si un jour vous lancez un sommet virtuel. Parce que ça va vous aider si vous créez un business en ligne, que voilà, c'est toujours utile de voir les coulisses. Et parce que très franchement, ça me fera très plaisir dans plusieurs années de revoir cette vidéo. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les webconférences de la semaine du 21 au 26 sont enregistrées en avance. Parce que vous imaginez bien que je ne peux pas avoir les gens à midi, à 18h et à 21h à chaque fois en direct et avoir 20 personnes en direct. C'est juste ingérable, c'est impossible. Voilà, il faut que les gens soient disponibles, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes techniques. Donc, j'enregistre. Donc, je vais vous dire l'outil que j'utilise pour faire ça s'appelle Demio. Je mettrai le lien en dessous. C'est un outil de webinaire à la base. Et donc, il y a les deux fenêtres. Quelques intervenants sont venus avec des slides, donc on voit les slides. Donc voilà, si vous avez déjà assisté à un webinaire, c'est ça. Mais c'est un peu plus sympa que d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une interaction. Je suis là en animation, alors que d'habitude, je fais ça tout seul. Là, le fait d'être à deux, c'est vraiment sympa. Donc l'expert délivre son contenu pendant 40 minutes. Et ce que j'ai dit, je vais vraiment rentrer dans le détail, hein, tant qu'à faire, on est entre nous. Pendant 40 minutes, ils délivrent leur message et ils donnent un maximum de contenu pour aider les gens. Et pendant 5 minutes, c'est le deal que j'ai avec eux. Je leur ai demandé de proposer une offre spéciale pour les participants du SVS, pour que les gens qui sont intéressés et qui veulent aller plus loin, parce que 40 minutes de contenu, c'est très bien, mais si on veut aller plus loin, y a une offre. Et à chaque fois, chaque intervenant offre quelque chose en plus. Donc ça, juste que vous compreniez un peu le modèle. C'est le modèle de beaucoup de conférences. Parce que pour faire venir des intervenants, vous imaginez des intervenants de… là, je viens d'interviewer Antoine Pédavin qui fait 2 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Combien je devrais lui payer? 500 euros, 1000 euros pour qu'il nous donne une heure de contenu. Donc, le seul moyen pour qu'il donne ce contenu gratuitement et que moi, je n'ai pas à sortir ces sommes-là et de les refacturer aux participants, c'est que eux fassent un pitch et qu'ils puissent gagner de l'argent et que leur temps soit rentabilisé. Donc, ça, c'est le deal pour que tout le monde soit gagnant. Et ça qui est vraiment beau dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en faisant ça, moi, j'y gagne parce que je peux offrir du très bon contenu et vendre le pass VIP d'ailleurs. Donc, si vous inscrivez, vous verrez que je vous propose une vente après. Donc, pour moi, je suis gagnant. Le participant est gagnant parce que vous pouvez vous inscrire gratuitement, assister à 20 heures de contenu totalement gratuitement sans rien acheter. Okay, et vous partez, vous êtes formé, vous allez pouvoir lancer un business qui pourra vous rapporter de l'argent, potentiellement changer votre vie. Donc, vous êtes gagnant. Et puis, l'intervenant est gagnant aussi. Pourquoi? Parce que il suffit qu'il y ait un petit pourcentage de tous les participants qui regarderont, qui assisteront au SVS. Il suffit qu'un petit pourcentage de ces personnes-là prennent leur produit pour qu'ils rentabilisent un peu leur temps. Donc, j'aime beaucoup ce schéma-là. Donc, ça, c'est dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur l'outil que j'utilise pour faire les inscriptions? Donc, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et que j'affectionne de plus en plus et que je vais inciter de plus en plus mes clients à utiliser. Et c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de l'utiliser. Roulement de tambour, suspense, c'est system.io. Donc, pareil, je mets le lien en dessous. C'est un lien affilié en toute transparence. Et donc, c'est un outil que j'utilise moi pour faire les pages d'inscription. Okay, donc, si vous avez cliqué, si vous êtes déjà inscrit, vous avez une page qui présente avec vidéo le texte. Voilà. Et ça, cette page est très facile à faire. L'outil est très facile à utiliser. Donc, je fais ça avec cet outil-là. Une fois que les gens s'inscrivent, ils tombent sur une page où je leur propose le pass VIP avec un bon de commande où ils peuvent payer. D'accord? Donc, tout ça avec un seul outil et c'est pas trop prise de tête. Évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est un outil facile, je peux juste vous dire que c'est l'un des outils les plus faciles
que vous puissiez avoir. Si vous n'arrivez pas à utiliser cet outil, bah, faut persévérer parce que vous trouverez difficilement d'autres outils plus faciles parce que c'est un outil tout en un. Donc, j'utilise ça et puis après, une fois qu'ils sont inscrits, moi, ce que je fais, c'est que quelquefois, j'envoie des emails avec system.io parce que ça fait, c'est un outil de newsletter. Donc, ça, c'est juste excellent. Et parfois, en fait, j'exporte les participants et je les mets dans mon autre autorépondeur que j'utilise pour mon business depuis des années maintenant qui est ConvertKit. Et donc, dans ce cas-là, ça me permet d'envoyer des emails avec mes tags. Donc, c'est mon système central. J'utilise quoi d'autre comme outil? Est-ce que j'essaie d'anticiper d'autres questions que vous avez? Niveau enregistrement, oui. Pour caler les rendez-vous, j'utilise Calendly qui est un super outil. En fait, tu mets tes disponibilités, tu envoies le lien aux intervenants et eux, ils choisissent quand ils sont disponibles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu as un rendez-vous sur ton planning, eh ben, ça bloque cette date. Donc, les intervenants ne peuvent pas prendre ce créneau-là, sinon ça fait un conflit. Donc, c'est une dizaine d'euros pour la version payante. Ça me fait économiser des heures et des heures de aller-retour. Tu es disponible, tu n'es pas disponible. Voilà. Donc, ça, c'est un super outil que j'utilise. J'utilise Google Drive pour caler les sujets. Donc, j'ai un tableau avec les intervenants, leur titre, le plan, le produit dont ils font la promotion. Donc, ça, c'est Google Drive. Et puis, je pense que j'ai fait pas mal de tours. J'ai fait le vlog précédent. Je l'ai fait en parlant déjà. Attends, je vais vous ramener un truc. Voilà, je l'utilise pas souvent. Je l'utilise pas assez souvent, donc autant l'utiliser pour cette vidéo, n'est-ce pas? Voilà. SDS. Voilà. Je sais pas si chez vous c'est à l'envers ou pas. Et donc autre chose que j'aimerais vous partager, donc c'est assez prenant, j'enregistre ça debout dans mon salon pour plus de dynamisme. J'utilise ça là comme fond, c'est top parce que ça rappelle le sommet justement. Autre chose que je pourrais vous dire, oui, c'est assez fatigant, j'enchaîne les enregistrements. Hier j'en ai eu 4. Et en fait, il faut être totalement focus et écouter tout ce que disent les gens. C'est comme assister à un cours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'apprends beaucoup de choses et que c'est un domaine qui me passionne. Et vraiment, quoi, moi-même, parmi les produits que les intervenants proposent, je vais en acheter quelques-uns pour me former auprès d'eux. Donc, c'est chouette de pouvoir vraiment travailler dans un sujet qui nous plaît. Un dernier point que je pourrais vous partager, ça pose aussi des difficultés ce SVS. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que voilà, j'ai des clients aussi en tant que freelance. C'est dur à gérer, je travaille un peu le soir, j'ai la formation YouTube que j'ai créée, que j'ai mis en ligne. Donc, ça fait beaucoup de choses. Très franchement, c'est un peu compliqué. Ma femme est compréhensive, donc je peux travailler le soir, mais en même temps, ça va être un gros mois de janvier. Le mois de février sera un peu plus calme et j'espère que ça va créer assez de business aussi pour tenir pendant plusieurs mois où je pourrai me concentrer sur mes clients et bon, je vous raconterai mes autres projets. Donc en plus, je continue à faire des vidéos YouTube, mon podcast audio. Bref, tout ça, c'est compliqué, mais j'ai aussi appris que bah, dans l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas et des déséquilibres, surtout au niveau de l'emploi du temps, qu'il faut accepter. Donc, il faut que votre famille soit OK avec ça. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de faire quelque chose qui vous passionne. Vraiment, encore une fois, c'est toujours le même message. Comment vous pouvez… hier, je travaillais jusqu'à 23h, hier et avant-hier. J'ai sacrifié du temps avec ma famille. Donc, comment on peut faire ça si on n'est pas passionné par ce qu'on fait? Donc, voilà, c'est mon encouragement pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous au SVS. Amenez des amis, taguez des amis, envoyez le lien à vos amis pour qu'on soit un maximum de personnes à vivre cet événement qui, je suis convaincu, va changer la vie de beaucoup de personnes. Et bah, merci pour votre attention. Je vous retrouve dans le groupe Facebook. Ok, une fois que vous êtes inscrit au SVS, vous recevez un email avec une invitation. Rejoignez absolument le groupe Facebook, il y a du contenu exclusif. Allez, ciao les amis, et on se retrouve au SVS.